Dans la jungle birmane, un Super Over Giga Mega Predator of the Dead est à l'affût. Avec ses 8000 kg et ses 600 km d'envergure, cette loutre passe inaperçue. Cachée par les feuillages abondants, la loutre espère bien pouvoir se délecter de l'un de ces lamas qui abondent en cette période de mousson. La loutre est de loin l'animal le plus intelligent et le plus vicieux que porte notre planète. Avec son incroyable capacité à imiter les gestes de Benedict Cumberbatch, elle peut aisément se faire passer pour l'acteur et tromper sa proie. Revenons à notre jungle birmane. Au sommet de ces sapins, nous pouvons observer de petites créatures. Ce sont des fourmis qui s'affairent à faire tomber des feuilles de cannabis au sol afin que les lamas puissent planer et ainsi s'envoler au cas où une loutre tenterait de les attaquer. Les biologistes qualifient cette relation d'entraide fourmi-lama. L'alimentation des lamas de Birmanie est principalement constituée de feuilles de cannabis. C'est cette nourriture qui est responsable de leur cri très caractéristique que l'on appelle le Snoop Dogg. Tendez un peu l'oreille et peut-être entendrez-vous un de ces lamas Snoop Doggé. Du haut de leurs arbres, les fourmis peuvent voir arriver un prédateur à plus de 8 années-lumière à la ronde. Si elles détectent le moindre danger à l'aide de leur sonar, les fourmis se transforment en lanceuses d'alerte. Cette pratique est appelée le Snowden. Ces volatiles bleus qui viennent de se joindre à la fête sont des tricératops. Sans doute ont-ils été attirés par l'odeur des feuilles de cannabis. Il est à noter que le cri des tricératops s'associe parfaitement au Snoop Dogg des lamas de Birmanie. Il s'agit du « da-la-la-da-da ». Il arrive d'ailleurs parfois que les deux espèces communiquent entre elles par ce biais. Après avoir analysé la situation, la loutre décide de passer à l'attaque. Malheureusement, elle est repérée par une des fourmis qui lance l'alerte. Tous les animaux déguerpissent. C'était le premier épisode de Super Flame Nature. Vous pouvez voir mes autres détournements en cliquant sur l'emplacement prévu à cet effet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux et à me faire un petit don via Tipeee. Je remercie d'ailleurs les tipeurs qui me financent déjà. Bisous. Mouah. À très bientôt pour la découverte de nouveaux super prédateurs.